Salut les amis, c'est Artben. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente 15 astuces et fonctions cachées sur les nouveaux iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Nous voici donc sur les nouveaux iPhone 15. Donc là, à ma gauche, j'ai l'iPhone 15 et à ma droite, l'iPhone 15 Pro Max. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Ça m'aide vraiment dans mes vidéos et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Alors, on démarre avec la première astuce qui va vous permettre de recharger d'autres appareils grâce au nouveau port USB type C. Vous allez pouvoir recharger des anciens iPhone, des appareils Android ou encore d'autres iPhones. Grâce au port USB type C, encore une fois, des nouveaux iPhone 15, on va pouvoir recharger et pas que les anciens iPhones. Donc là ici, si on a un port USB type C vers Lightning, on va quand même pouvoir recharger. Regardez là, j'ai un iPhone 12 avec le Lightning et hop, il se recharge parce que l'iPhone 15 va détecter eh bien qu'il y a plus de batterie sur l'autre iPhone. Alors ici, on a 50% et ici 66%. Donc là, pour le coup, c'est mon iPhone ici 15 Pro Max qui recharge l'iPhone 12 Pro Max. Alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a moins de batterie ici qu'ici. Mais en tout cas, si vous avez le Lightning vers l'USB type C, ça rechargera votre iPhone. Et ça, c'est pratique d'avoir cette fonctionnalité-là. On a aussi la possibilité de recharger ses AirPods. Alors ici, j'ai les anciens avec le Lightning. Les nouveaux ont l'USB-C et ça marche quand même. Donc là, j'ai un port USB-C vers Lightning. On va voir ensemble. Donc là, je le connecte et regardez, ça recharge mes AirPods. Donc directement, je vais pouvoir recharger mes AirPods grâce à mon iPhone avec le câble USB type C vers Lightning. La deuxième astuce va aussi fonctionner avec l'USB type C et ça va vous permettre eh bien, de l'utiliser pour par exemple diffuser votre écran sur un écran avec un port USB type C, donc un câble USB type C, ou encore utiliser votre iPhone pour fonctionner avec Internet avec le câble Ethernet à la maison et avoir une puissance maximale de connexion sur Internet. Autre astuce, la possibilité de brancher son iPhone à l'écran de l'ordinateur. Donc directement grâce au port USB type C, encore une fois, ce port nous sert à beaucoup de choses. Et là, vous allez pouvoir le brancher à un écran externe. Donc si vous souhaitez jouer à des jeux ou autres, vous allez pouvoir brancher eh bien, une manette et jouer au jeu ou tout simplement faire des présentations à la maison et autres. Et là, voilà, l'USB-C est un port que tout le monde a, donc ça va être beaucoup plus facile de l'utiliser avec un écran externe. Sur les nouveaux iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ou encore l'iPhone 15, 15 Plus de base, vous avez la possibilité d'avoir le câble Ethernet branché sur votre iPhone. Donc c'est une toute nouvelle astuce, une fonction cachée que vous ne connaissez sans doute pas. Alors bien sûr, vous n'avez pas la possibilité de brancher le câble Ethernet comme sur votre ordinateur, mais si vous achetez un petit dock comme ceci, je vous mettrai dans la description le lien pour l'acheter, vous pouvez le connecter directement au câble Ethernet de votre box avec l'USB type C ici. Et lorsque vous allez aller dans les réglages, vous allez avoir l'option qui va s'afficher. Donc là, ça fonctionne en USB type C. Hop, ici, vous allez avoir Ethernet qui va s'afficher. Donc là, on attend un peu. Hop, Ethernet s'est affiché. Donc on va pouvoir l'ouvrir. Et ici, comme vous pouvez voir, on a la Wi-Fi donc, qui est désactivée. On a les données cellulaires qui sont désactivées. Et ici, par exemple, si j'ouvre Safari, donc là, hop, je peux aller sur Internet directement, ouvrir une page. Et donc, comme vous pouvez voir, ici, j'ai Internet qui fonctionne avec eh bien, directement le câble Ethernet de ma box. Donc ça, c'est super cool. Ça va permettre d'avoir une navigation plus sécurisée sur son iPhone. Et je trouve ça vraiment cool qu'on ait les possibilités grâce à l'USB-C maintenant d'avoir le câble Ethernet qui fonctionne. Et ça, c'est une toute nouvelle fonction cachée sur les nouveaux iPhone 15. La troisième astuce que je vais vous montrer concerne tous les iPhones. Donc l'iPhone 15 et encore l'iPhone 15 Pro Max et 15 Plus. Donc là, c'est au niveau de la batterie. Il y a une toute nouvelle fonction qui est réservée uniquement sur les nouveaux iPhones. Si vous allez dans les réglages, ensuite dans batterie, vous allez dans état de la santé de la batterie et recharge, vous allez voir, il y a un nouvel onglet qui s'appelle optimisation eh bien, de la recharge. Et là, je pense que ça va vous intéresser car vous êtes nombreux à avoir eu des problèmes sur les anciens iPhones avec la batterie. Et là, vous avez la possibilité de mettre une limite de 80%. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, votre batterie ne s'abîme pas lorsqu'elle ne monte pas à plus de 80%. Donc là, vous n'aurez rien à faire. L'iPhone va automatiquement détecter quand l'iPhone, eh bien, se recharge est à 80% et ne va pas recharger au-delà
pour préserver la batterie. Dans ce cas-là, vous allez gagner des années de vie ou des mois, donc ça va vous permettre de garder beaucoup plus longtemps votre iPhone. Autre nouveauté concernant la batterie, si vous allez dans les réglages et ensuite vous appuyez sur Général Informations, vous allez avoir des informations sur votre batterie. Donc là, par exemple, si je descends en bas, je vais désormais avoir le comptage de cycle, donc c'est uniquement disponible sur les nouveaux iPhones, et vous allez savoir la batterie et combien elle a été utilisée. Donc à chaque fois que vous allez faire 0 à 100, il va y avoir un comptage de la batterie, et donc ça va vous permettre le jour où vous souhaitez changer la batterie, de savoir exactement combien vous avez de fois utilisé le cycle de batterie. La quatrième astuce concerne l'écran d'accueil. Lorsque vous avez vos nouveaux iPhone 15, vous avez la possibilité d'ajouter des live photos et d'avoir une animation à chaque fois que vous ouvrez votre iPhone. C'est vraiment joli. Pour ce faire, il suffit de rester appuyé sur le bouton de votre iPhone lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, d'appuyer sur plus une nouvelle page et là vous allez faire live photo. Donc là j'appuie sur live photo et ici on va m'afficher tous mes live photos. Donc par exemple si j'ajoute ici un live photo comme ceci, vous voyez que il bouge et donc quand je vais faire ajouter ici, directement je vais l'avoir sur mon écran d'accueil. Donc là directement je vais personnaliser l'écran d'accueil et là je vais faire OK. Donc là par exemple si ici je reviens sur mon iPhone, à chaque fois que je l'ouvre, je vais avoir ma live photo qui va s'afficher. Je trouve ça vraiment magnifique, ça fait une petite vidéo d'animation sur votre iPhone qui est vraiment très cool je trouve et qui ajoute un cachet de personnalisation super à l'iPhone 15. Autre astuce, ça concerne les appels. Donc là ici, si vous recevez un appel par exemple et l'interlocuteur vous dit « je vous entends pas, il y a vraiment beaucoup de bruit, vous êtes à l'extérieur », vous avez une nouvelle astuce qui va vous permettre d'isoler votre voix. Donc pour ce faire, il suffit d'aller en haut dans le centre de contrôle et ici vous allez avoir écrit « micro standard ». Donc vous cliquez dessus et là vous allez avoir un bouton « isolement de la voix ». Donc lorsque vous utilisez ce bouton « isolement de la voix », la personne en ligne va vous entendre vraiment mieux, votre voix va être isolée et s'il y a beaucoup de bruit autour de vous, là vous allez avoir un appel qui va se passer super bien avec une voix isolée. Donc voilà, ça c'est une super astuce sur les nouveaux iPhone 15. Autre astuce qui est uniquement disponible pour le coup pour les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max car ils ont le nouveau bouton d'action sur le côté, ça va vous permettre lorsque vous allez dans les réglages, ensuite vous allez aller dans bouton d'action, c'est de configurer des raccourcis. Donc vous avez d'autres possibilités mais le mieux c'est d'utiliser les raccourcis. Par exemple j'avais fait une vidéo sur comment nettoyer la RAM donc de votre iPhone pour qu'il soit plus rapide, donc allez voir la vidéo et n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne YouTube. Là par exemple si je configure nettoyer la RAM sur l'application, dans mon raccourci je vais pouvoir nettoyer la RAM. Donc par exemple ici je quitte l'application, je vais rester appuyé sur le bouton d'action et hop, ma RAM va être nettoyée automatiquement. Donc ça va prendre vraiment quoi, 1 seconde, 2 secondes pour que la RAM soit nettoyée et ça va me permettre d'avoir un iPhone plus rapide s'il y a trop d'applications en tâche de fond qui fonctionnent et que je veux récupérer de la RAM sur mon iPhone. Mais il y a d'autres possibilités qui sont possibles. Vous en avez plein, par exemple, ouvrir votre porte de garage si elle est connectée, enlever la lampe si elle est connectée là aussi. Vous avez plein de possibilités qui vous offrent directement les raccourcis. Donc c'est à vous de les créer et ensuite vous allez pouvoir par exemple reconnaître de la musique. Donc là par exemple ici si je quitte, je vais avoir Shazam si je reste appuyé. Donc là Shazam fonctionne, donc ça c'est cool si je pars en boîte de nuit ou dans une soirée et je souhaite avoir la musique toute la soirée, j'ai juste à rester appuyé et hop, Shazam va se lancer. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Je vous ferai une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Autre astuce que je vais vous présenter, c'est tout simplement le fait d'avoir la meilleure qualité dans vos photos et vidéos. Lorsque vous achetez l'iPhone, Apple ne vous met pas la meilleure qualité. Donc en fait, simplement, lorsque vous allez ouvrir l'appareil photo, vous allez avoir une qualité moyenne sur l'iPhone et pas la maximale. Pour ce faire, il vous suffit d'aller dans les réglages de votre appareil. Ensuite, vous allez aller dans appareil photo. Et quand vous êtes dans appareil photo, déjà, vous allez faire enregistrer une vidéo en 4K. Donc ça, c'est bien important de le faire. Ici, dans enregistrer une vidéo cinématique, si un jour vous faites du cinéma, il vaut mieux avoir la meilleure qualité encore une fois. Et dans format, ici, vous allez voir mode photo, on a du 24 mégapixels. Donc là, vérifiez bien que vous avez la forme la plus haute. Et là, vous appuyez sur haute efficacité. Donc là, Pro RAW Max, il va falloir l'activer parce que comme vous pouvez voir, il y a d'autres formats qui sont moins bons. Donc le mieux, c'est d'avoir le Pro RAW Max. Et là, voilà, vous avez tout activé. Et donc, comme je vous l'ai dit, lorsque vous ouvrez l'appareil photo, ici en haut, souvent, Apple va vous décocher RAW
Max. Donc c'est la meilleure qualité de votre iPhone. Et donc là, si vous appuyez dessus, tout simplement, vous allez avoir une qualité de photo qui va être supérieure à celle que vous avez si vous n'activez pas l'option. Donc voilà, il vous suffit d'appuyer sur RAW Max et de vérifier que l'option est bien activée et elle n'est pas barrée. On reste dans l'univers des photos et là, je vais vous montrer comment prendre les meilleures photos avec la meilleure qualité lorsque vous faites des zooms. Souvent, vous utilisez le zoom et le problème, c'est que vous allez utiliser le manuel du zoom. Et en fait, le problème du manuel du zoom, c'est que souvent, vous sélectionnez des paramètres qui sont pas bons et qui vont vous faire gâcher la photo avec une mauvaise qualité. Alors, Apple l'a dit, pour avoir la meilleure qualité, il suffit de rester appuyé sur les boutons de votre iPhone. En fait, ici, vous avez des boutons, donc 1, 2, 5. Et lorsque vous allez rester appuyé, vous allez avoir eh bien, la focale qui va changer et qui va être faite automatiquement par l'iPhone. Donc là, par exemple, j'ai une focale, comme vous pouvez voir, en 35 mm, en 24 mm. Et là, ici, j'en ai encore sur le 0,5. Donc là, voilà, il suffit juste d'appuyer sur la focale et vous utilisez cela pour avoir la meilleure qualité dans vos zooms. On vient de parler de la focale. Autre astuce, si vous souhaitez avoir votre propre focale lorsque vous utilisez le zoom, parce qu'à force de prendre des photos, vous allez vous rendre compte qu'il y a des paramètres que vous adorez avec la focale. Alors pour le coup, il suffit de se rendre dans les réglages de votre appareil. Là, vous descendez, donc vous allez dans appareil photo sur les réglages et ensuite vous descendez, vous allez avoir un onglet appareil photo principal et ici, vous allez pouvoir sélectionner l'objectif par défaut. Donc si vous avez une préférence par exemple pour le 28 mm, eh bien lorsque vous ouvrez l'appareil photo, vous allez avoir du 28 mm. Pareil pour le 35 mm. Donc activez tout et sélectionnez après avoir défini. Donc là par exemple, si j'ai le 28 mm, dès que j'ouvre l'appareil photo, hop, il est en 28 mm, donc là c'est fait automatiquement par l'iPhone ou tout simplement en 35 mm, et bien là on a un zoom 1x5 et donc ça va permettre d'avoir la meilleure qualité et à chaque fois que vous ouvrez l'appareil photo d'avoir votre focale favorite. Autre fonctionnalité, c'est lorsque vous allez zoomer, vous allez avoir la possibilité de savoir où vous zoomez. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais lorsque hop, vous passez en zoom x5 et vous commencez à zoomer plus que le zoom x5, vous allez voir un cadre qui va apparaître en haut et qui va vous permettre de savoir là où vous zoomez, donc là où est l'image par rapport à là où vous filmez ou prenez la photo, et ça va vous permettre de prendre de meilleures photos qui bougent moins et de plus centrer le cadre sur l'objectif que vous avez lors de votre prise photo. Vous avez maintenant la possibilité, lorsque vous prenez une photo en selfie, d'avoir le flou d'arrière-plan qui s'affiche ici. Vous allez pouvoir l'activer ou le désactiver, ça va être fait automatiquement. Mais si vous appuyez sur le bouton, vous activez le flou d'arrière-plan pour avoir un super flou. Et ici, vous pouvez le désactiver. Donc ça, c'est super cool. Il n'y a plus besoin d'aller dans le mode portrait. Le mode portrait est automatiquement activé dans les photos selfie. Lorsque vous ouvrez vos photos qui ont utilisé la focale, donc le flou d'arrière-plan, le mode portrait, vous avez la possibilité de modifier la photo et de modifier la focale après coup. Donc ça, c'est super cool. Vous avez un mode en bas qui s'appelle le mode portrait. Et là, vous pouvez sélectionner eh bien, le nombre de pourcentages que vous souhaitez avoir de flou sur votre photo. Et vous allez aussi avoir la possibilité de changer la direction de profondeur de votre photo. Donc si vous souhaitez avoir le flou qui se fasse à l'arrière-plan ou au second plan, vous pouvez le faire. Il suffit de modifier la photo, d'aller en bas dans l'option portrait et vous allez pouvoir tout changer sur le flou d'arrière-plan. Maintenant, on va parler de la vidéo et je vais vous montrer comment prendre les meilleures vidéos avec la meilleure qualité sur vos iPhone 15 Pro, 15 Pro Max. Alors pour ce faire, en haut, comme dans les photos, vous avez une petite option qui s'appelle ProRes Log. Donc ici, il vous suffit de sélectionner ProRes pour avoir le ProRes Log. Donc là, ici, vous voyez que l'image va être un peu teintée, pas très belle. Et en fait, lorsque vous allez être sur votre ordinateur et votre logiciel de montage, vous allez pouvoir ajouter des couleurs et donc tout ajuster pour ne pas perdre en qualité. Donc ça, c'est utile pour tous ceux qui s'y connaissent en montage vidéo, en production vidéo. C'est vraiment l'option favorite, je pense, des vidéastes, c'est d'avoir cette option ProRes qui permet d'avoir la meilleure qualité et de jouer sur les couleurs avec son iPhone 15 Pro. Pour ce faire, vous allez aller dans les réglages comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez aller dans appareil photo, donc là vous descendez dans appareil photo et lorsque vous êtes dans appareil photo, vous allez aller tout en bas et vous allez avoir une option qui va apparaître. Donc là vous avez format, donc là vous allez dans format et en bas vous avez Apple ProRes. Donc là vous l'activez cette option et vous appuyez sur encodage en log pour avoir la meilleure qualité sur vos vidéos d'iPhone 15. Si vous avez des AirTags, je vais vous montrer une nouvelle astuce qui va vous permettre de partager vos AirTags avec votre famille. Donc souvent, vous avez des AirTags et il y a d'autres personnes de votre famille qui souhaitent les localiser. Je vais vous montrer avec l'application localiser
comment partager la localisation des AirTags. La première chose à faire, c'est d'ouvrir l'application localisée comme je vous l'ai montré. Ensuite, quand vous avez ouvert l'application localisée, vous sélectionnez vos AirTags et vous appuyez sur le bouton « Partager cet AirTags » en bas de la page. Donc vous faites ajouter une personne et ici on va vous demander si vous souhaitez partager les AirTags avec d'autres personnes, donc ils vont pouvoir les localiser et avoir des notifications de suivi. Donc ça c'est super si d'autres membres de votre famille souhaitent savoir où sont les AirTags. Autre fonctionnalité des nouveaux iPhone 15 et d'ailleurs des anciens aussi car ça fonctionne avec iOS 17, c'est la possibilité d'échanger sa carte de visite avec son iPhone. Plus besoin d'éditer de carte de visite, là il suffit d'activer le Bluetooth sur votre appareil. Donc là ici vous allez dans les options, vous activez bien le Bluetooth sur les deux appareils. D'ailleurs je trouve ça un peu dommage. Et ici vous avez simplement à tourner vos smartphones, donc comme ceci. Et ici vous allez les rapprocher pour avoir Name Drop qui va apparaître et donc partager la fiche de contact du nouvel iPhone. C'est vraiment bien fait, je trouve. En quelques instants, hop, vous allez pouvoir partager grâce à Name Drop votre carte de visite. C'est super bien fait, je trouve. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à me dire quelle a été l'astuce que vous avez préférée dans cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye.